Ngana kipaka na ngai te. Ngana kipaka na ngai te na bine la kanzambe komi. Fopo na zane sika msa obina te. Siko so na zana ngana mokonti msa ya obine la te. Lena okoma li vosa mokonti na nga. Ndeni na obina. Ifo na bina komi ilfo. Yeso ya zabia. Totelemi. Yeso ya! Ngonga refe nanga kobeta mokolo nini. Ebongo livre ya vi nanga komi na page nini papa. Bibo nanga kokoboka mokolo nini yeso ye. Ye nambo ye. Ima yo nambo ye. Ima yo nambo ye. Malheur, 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 mal
Malembe, 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 s'il vous plaît. Protocole Téléma Boy, Téléma, Téléma, Téléma Boy, Téléma. Dans la besoin protocole, pas dans le bazarana Kimia, pas dans le bazarana Kimia. Des autres étaient, place aux abîmes à Malembe, Malembe. Protocole Bota Moulongo, donc protocole Bota Moulongo, Bota Moulongo, pas dans le bazarana Ordre. Alléluia. Bien aimé, ton guide au télémisamutu na nzambe. Mon papa mi na nzambe. Oh ma foute zo ki ta likolo na ye. Ezangonga na ye. Ngonga na ye po biso to pambwama. Avana benge biso sto telema. Tao nazo benga le reverend pasteur Miko Batika tanga zo betela nzambe maboko makasi azanza mbaza mokozi betela ye maboko moto zolo nzambe Thank you.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur nous tous? On peut l'acclamer royalement. Je n'entends pas de cri de joie. Avec un très grand cri de joie. Molele, molele. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Soni, soni, ma maman. Nous acclamons Jésus très fort. Makasi, ma maman, pour la Yesu. Et soyo kalate molele wana. Et que ne fille martyr. Gloire à Jésus. Kembona Yesu. Gloire au Seigneur. Kembona kolo. Bien-aimés, nous restons debout. Je vais vous demander de rester debout. Pendant que le frère Zaché va nous faire la lecture. Notre message de ce soir se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5. Versets 1 à 17. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. 13. Il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et les pourceaux se précipita des tentes, escapaient dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur rencontre ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils les mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Amen. Donnez-moi un amen puissant. Amen. Un grand amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, dans cette histoire que nous venons de lire, on nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme. Et ce soir également, bien-aimés, je voudrais parler à un homme. Quand je dis un homme, c'est avec un grand H. Cela veut dire que je vais parler à un garçon comme je vais parler à une fille. Je voudrais parler à un homme comme je voudrais parler à une femme. Si cette femme est là, elle va acclamer le Seigneur très fort. Si cette femme est là, il va acclamer le Seigneur très fort.
Bien-aimé dans cette histoire, on nous parle de cet homme en trois parties. La première partie, bien-aimé, on nous parle de sa vie. La vie de cet homme peut-être c'est également ta vie. La vie de cet homme peut-être c'est similaire à ta vie. La vie que tu es en train de vivre. On nous dit que cet homme, bien-aimé, il habitait au cimetière. Il habitait au cimetière. Il habitait au cimetière. Comment est-ce qu'un homme peut quitter la ville pour aller habiter au cimetière? Nous voyons, bien aimé, beaucoup de gens ont comme demeure le cimetière. Chaque nuit, ils se rendent dans le cimetière. Ils se rendent dans le cimetière soit pour invoquer, soit pour pleurer les gens qui sont morts dans la famille. On nous dit que cet homme, lui, il habitait au cimetière. Bien, mais pourquoi il habitait au cimetière? Puisque sa vie était déstabilisée. Sa vie était déstabilisée, bien-aimé. Rien ne marchait dans sa vie. C'est pour cela qu'il s'est rendu dans le cimetière. Et il a choisi le cimetière comme demeure. Bien, mais beaucoup, leur vie est attachée au cimetière. David est dit dans le livre des Psaumes, chapitre 119. Verset 25. Il dit, mon âme est attachée au cimetière. Bien aimé, beaucoup de gens, leurs âmes sont attachées au cimetière. Puisque le thème, bien aimé, de cette campagne, c'est la délivrance de l'âme. C'est la délivrance de l'âme. Bien aimé, beaucoup leurs âmes sont attachées au cimetière. Comment est-ce que ton âme peut être attachée au cimetière? Peut-être depuis que ton père ou ta mère est mort, tu as déclaré les paroles. Et ces paroles ont attaché ton âme au cimetière, bien-aimé. Mais j'ai une bonne nouvelle à te dire ce soir. Peu importe là où se trouve ton âme, ce soir le Seigneur va le délivrer. Et ce soir le Seigneur va délivrer ton âme. J'ai vu une femme bien-aimée. Quand son mari était mort, d'après la tradition, on a pris le sous-vêtement de cette femme. On a pris les cheveux de cette femme. On a mis cela dans le cercueil. Et on a enterré le mari. Bien-aimé, nous comprenons que cette femme, son âme était attachée au cimetière. Et une femme pareille qui sont ici ce soir. Je leur annonce la bonne nouvelle. Que ce soir, quelle que soit la profondeur de la tombe, ton âme va sortir de là. Ton âme va sortir de là. Dans le nom de Jésus. Acclame très très fort Jésus. Acclame très très fort Jésus. Bien aimé, si ton âme est emprisonnée, tu es un malheureux. Beaucoup de gens, leur âme, sont dans les maisons des féticheurs. Le féticheur a pris quelque chose et on a cité ton nom et on a lié cela. D'autres, bien aimé, leur âme se trouve dans des bouteilles. Se trouve dans des bouteilles. Et quel que soit l'endroit où on a mis ton âme, dans la maison de féticheurs, là où les sorciers ont gardé ton âme, la bonne nouvelle de ce soir est que ton âme va être libérée, ton âme va être délivrée, puisque Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour délivrer les captifs, tes âmes seront délivrées ce soir. Mais quand ton âme est en prison, tu es une femme malheureuse. Tu es un homme malheureux. Or Dieu est venu pour nous donner la vie. Il est venu bien aimé pour nous donner la vie. On nous dit dans l'histoire de cet homme, chaque nuit un jour, il ne faisait que crier dans le cimetière. Il ne faisait que crier dans le cimetière. Combien bien
bien-aimé, crient chaque jour au cimetière. Ils vont dans le cimetière pour invoquer les morts. Ils vont dans le cimetière pour invoquer les parents. Ils vont dans le cimetière pour invoquer les esprits. Bien-aimé, cet homme, malgré toutes ces choses qu'il faisait, il n'a pas trouvé la solution à son problème. Il n'a pas trouvé la solution à son problème. Il a même changé de technique. D'après la Bible, bien-aimé, on nous dit que cet homme dormait sur des tombes. Il dormait même sur des tombes, bien-aimé, pour avoir des inspirations. Combien de gens invoquent les morts? Combien de gens invoquent les morts dans des cimetières? Combien de gens connaissent tous les coins des cimetières de Kinshasa? Bien-aimé, les cimetières ne donnent pas la vie. Toi, au moins, tu vas de temps en temps dans le cimetière pour invoquer. Mais cet homme, bien-aimé, lui, il a déjà invoqué comme ça, ça ne suffit pas. Maintenant, je dois aller habiter dans le cimetière. Je dois aller habiter dans le cimetière. Mais malgré qu'il était allé habiter dans le cimetière, il n'avait même toujours pas la solution. La Bible dit cet homme, il prenait des pierres et il se blessait. Il se blessait, bien-aimé. Quand il se blessait, c'est comme toi, bien-aimé, tu fâches des petits chers, ils te font des incisions, mais surtout le bien-aimé. Or, nous savons que dans l'alliance il y a le sang. Dans l'alliance il y a le sang. Cet homme, en faisant des incisions, le sang pour le bien-aimé, c'était une alliance avec le mort. Une alliance avec le mort. Combien de gens parmi nous ont secoué leur sang dans des maisons de fétichés? C'est des alliances, bien-aimé, des alliances occultes. C'est pour cela que le Seigneur dit: mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mais le jour que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Bien-aimé, la Bible dit, on liait même cet homme avec des chaînes. On liait cet homme avec les chaînes. Mais il brisait les chaînes. Oh, ma soeur, mon frère, quand tu as des problèmes, même quand on vient te consoler, mais des fois tu es inconsolable. Tu es inconsolable, bien-aimé. Quelqu'un qui a son âme attachée, c'est une personne qui est inconsolable. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, l'âme, c'est le centre de la vie. Puisque le corps que nous voyons, le corps est contrôlé par l'âme. L'âme, c'est le centre des sentiments. C'est le centre des émotions. C'est le centre de la volonté. C'est le centre des décisions. Laissez-moi dire à quelqu'un, même la folie se trouve dans l'âme. La folie se trouve dans l'âme. C'est pour cela qu'on appelait ce monsieur le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Puisque, bien-aimé, la folie c'est dans l'âme. La folie de c'est dans l'âme. Le mari de nuit c'est dans l'âme. La femme de nuit c'est dans l'âme. Je voudrais dire à un bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce soir, même si ton âme est liée par le mari de nuit, par les femmes de nuit, ce soir, nous allons les chasser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, puisque Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Nous chasserons les démons de Marie de nuit. Nous chasserons les femmes de nuit ce soir. Au nom de acclamons Jésus bien-aimé. Mais bien-aimé, écoutez, le Seigneur dit ceci: mon peuple est détruit, mon peuple souffre par manque de connaissances, les choses qui viennent dans ta vie, les choses qui t'arrivent, ce n'est pas la volonté de Dieu, ma soeur, perdre de
des enfants. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ma soeur, être stérile, ce n'est pas la volonté de Dieu. Être célibataire est dommage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Des fois, bien aimé, nous oublions. Quand des choses nous arrivent, nous disons que c'est Dieu qui a voulu. Je voudrais corriger quelque chose dans ta vie ce soir. Dieu ne donne pas pour répondre. Comme les gens disent que Dieu a donné Dieu à répit. Dieu ne donne pas pour répondre. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Dieu ne donne pas pour répondre. Si Dieu pouvait donner pour répondre, la première personne que Dieu allait répondre, c'était Satan. Puisque c'est Dieu qui lui a donné la force. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir. Mais Dieu a le chassant. Il n'a pas repris cela bien aimé. Puisque quand il donne, il donne. Saoul était rejeté par Dieu. Mais il continuait à régner. Comment est-ce que toi dans ta vie, Dieu peut te donner un mariage pour que tu puisses te perdre demain. Il peut te donner un enfant pour que tu puisses perdre l'enfant demain. Dieu peut permettre que tu aies en Europe pour qu'on t'expulse. Jamais bien aimé. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, montrer à quelqu'un la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois la tête et non la queue. La volonté de Dieu est que tu puisses enfanter. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu est qu'il n'est pas bon que tu sois seul. La volonté de Dieu est qu'il souhaite que tu sois prospère à tous égards, à tous égards, à tous égards, et que tu sois même en bonne santé, et que tu sois même en bonne santé. Être malade pour toi, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Bien aimé, l'ignorance tue. C'est tout cela la Bible dit. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est tout cela Dieu m'a envoyé ce soir pour te dire quelle est sa volonté pour toi. Quelle est sa volonté pour toi? Dieu a dit ceci: mon serviteur prospérera, il se réveillera et il le montera. Tu commences une affaire avec $50. Après, c'est $300. Après, c'est $1,000. C'est $2,000. C'est $10,000. Tu commences à acheter des parcelles. Tu commences à aller à Guangzhou. Tu commences à envoyer tes enfants en Europe. Même le monde nous dit, tu n'avances pas recul. Tu n'avances pas recul. Bien aimé. Il peut arriver que les coups arrivent. Mais quand les coups arrivent, comme Job, le coup est arrivé. Mais que nous dit la Bible, bien-aimée? Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Job, bien-aimé, il a eu un coup dans sa vie. Mais quelle était sa situation? La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Sera plus grande que la première. Quelle est ta situation, bien-aimé? Est-ce que ton âme est en prison? Est-ce que ton âme est malade? Puisque ta prospérité, bien-aimé, dépend de l'état de ton âme. Dépend de l'état de ton âme. L'état d'âme, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Bien que bien-aimé, même la sorcellerie se trouve aussi dans l'âme. C'est pour cela que nous voyons des gens qui sortent la nuit, qui vont et qui sentent tout, qui vont à Manono, qui vont à Bassankoussou, mais ils laissent leur corps, puisque le corps c'est le pape, le corps c'est la carrosserie, mais le moteur c'est l'âme. Bien, mais une voiture, en tout cas, dans les montagnes n'est pas bon. La voiture ne peut pas aller loin. Autrement dit, un homme qui son état d'âme n'est pas bon, cet homme ne peut pas aller loin dans la vie. Oh, la volonté de Dieu est que tu ailles loin.
mosquito. Que tu ailles loin. Que tu ailles loin. Ok le mosquito. Tu as dit à Saoul. Tu iras loin. Ok le mosquito. Toi aussi tu iras loin. Ok le mosquito. Oh, dis, déclare, déclare. Tu iras loin. Dis cela bien aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare que tu iras loin. Ok le mosquito. Loba, loba, loba. Acclamons le Seigneur, mes amis. Bete la colo maboko. Acclame-les très très bien. Maboko ne zoyo kanate bete la yesu maboko. Mais bien aimé, Andeko, la vie de cet homme était déstabilisée. Pourquoi cela, bien aimé? Puisqu'il était devenu fou. La folie l'a attiré à au cimetière. La folie l'a attiré au cimetière. Mais la folie, c'est au niveau de l'âme. La folie, c'est au niveau de l'âme, bien aimé. Nous voyons même des maladies dont les médecins n'arrivent même pas à diagnostiquer. Comme ta maladie que tu souffres là, les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer. Combien de fois tu es allé à l'hôpital, tu as fait IRM, tu as fait scanner, tu as fait échographie, tu as fait la radio, mais on ne trouve pas la maladie. Mais dans ton corps, tu souffres. Pourquoi cela, bien-aimé? Puisque la Bible dit, ce qui est esprit, est esprit. Ce qui est chair, est chair. Aucun chirurgien ne peut opérer et trouver où se trouve l'âme. L'âme est spirituelle. Donc quand quelqu'un souffre d'une maladie de l'âme, aucun médecin ne peut le détecter. Aucun médecin ne peut le détecter. Il faut seulement que Dieu intervienne. Il faut seulement que Dieu intervienne. Bien nommé, tu souffres de quoi? Ta maladie, c'est une maladie de l'âme. Quelqu'un va chez le féticheur pour te jeter un sort. Bien aimé, c'est l'âme qui est touchée. Des fois, on prend même une poupée. On dit, tu veux qu'on fasse quoi pour lui? Oh, donnons-lui la maladie du cœur. Tu vois chez le féticheur qui est peut-être à moins de dire tout. Mais toi, tu es ici à Kinshasa. Là-bas, bien aimé, on prend seulement le finit. On pique là où il y a le cœur. Toi, tu es ici à Kinshasa. Tu commences à souffrir du cœur. Bien aimé, c'est une maladie de l'âme. C'est ton âme qui est blessée là-bas. C'est pour cela que toi, tu souffres ici. Oh, ce soir, bien aimé, là où on a fait une poupée et on a baptisé ton nom, on va envoyer le feu et la poupée va prendre feu. Au nom de Jésus, le miroir là où on te regarde va prendre feu. Le laboratoire de marabout, le laboratoire de féticheur va briller aujourd'hui puisque tu es le fils et la fille d'Abraham. Acclame Jésus très très fort. Alléluia. Balobi betela Yesu maboko na mololo. Ezoyo kalate maboko na mololo. Bien aimé, beaucoup de maladies que nous souffrons. Il y a des maladies naturelles. Comme ici à Kinshasa, il y a beaucoup de poussière. Il y a des moustiques. C'est normal que tu puisses attraper la malaria à la typhoïde. Mais ça, la malaria, la typhoïde, nous l'appelons la maladie naturelle. Mais il y a des maladies bizarres. Il y a des sida bizarres. Bien aimé, qui se trouve au niveau de l'âme. Si ton âme, bien aimé, n'est pas en bonne santé, quand le diable nous attaque, il attaque notre âme. Il attaque notre âme. C'est pour cela que quand tu fais des rêves, tu vois quelqu'un en train de te poursuivre. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'adresse des rêves, c'est l'âme, bien-aimé. C'est l'âme, bien-aimé. Mais ce soir, ces choses doivent prendre fin. Puisque chaque chose a une date d'expiration. Ta maladie arrive à sa date d'expiration. Ton célibat arrive à sa date d'expiration. Ta pauvreté arrive à la date d'expiration. Puisque Jésus a dit toutes choses, chaque chose a un temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Toi, tu as beaucoup pleuré.
La main ne nous fait de ce soir. Et que ton temps de guérir, ton temps de voyager, ton temps d'enfanter, ton temps de te marier est arrivé. Acclame Jésus très très fort. Mes amis, Andeko, cet homme est le démoniaque. Foto, oh, démona. La Bible dit ceci. Quand il a vu Jésus, dans Amoni Yesu, il a vu Jésus de loin. Amoni Yesu, cet homme a couru. Foto, il a couru vers Jésus. Il a couru vers Jésus. Arrivé devant Jésus, il s'est agenouillé, bien-aimé. Il s'est mis à genoux. Asukami. Pourquoi cela, mes amis? Pourquoi cela, mes amis? Puisque cet homme a compris, j'ai invoqué dans le cimetière, je n'ai pas eu le salut, j'ai fait des incisions, j'ai fait des alliances, je n'ai pas eu de solution, mais cet homme que je vois, c'est lui qui a ma solution, il faut que je cours vers lui, oh bien aimé, dans quelques minutes, tu vas courir vers Jésus, afin que Jésus puisse faire quelque chose pour toi, afin que Jésus puisse changer ta situation, afin que Jésus puisse changer ta situation. Il faut courir, bien-aimé. Cet homme a couru. Et quand il est arrivé, bien-aimé, il a mis ses genoux à terre. La Bible dit ceci. Tout genou fléchira. Cet homme a mis ses genoux à terre. Mais son âme, bien-aimée, était en prison. Cela veut dire, ceux qui ont fléchi les genoux, c'était les démons qui possédaient cet homme. Oh, les démons qui te possèdent, ils vont fléchir les genoux ce soir devant notre Jésus. Ils vont fléchir les genoux, puisque la Bible dit, tout genou fléchira au nom de Jésus. Ils ont dit, qui a-t-il, qu'est-ce qu'il y a entre toi? Pourquoi tu es venu nous troubler, fils de Dieu? La Bible dit, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Ils ont confessé cela, bien-aimé. Ils ont mis leurs genoux à terre. Jésus dit, mais celui-là, c'est le fils d'Abraham. Cette femme-là, que vous avez rendue stérile, elle est la fille d'Abraham. Ce garçon, que vous avez bloqué le voyage, elle est le fils d'Abraham. Maintenant, pourquoi vous les liez? Bien aimé, nous avons un Dieu. Zamboa a kota kama kambuya bato. Zamboa a kota kama kambuya bato. Lelo a kota makambula yo. Satana alinga alinga te. Et comme il kambuya Yesu. Les démons disent. Qui a-t-il entre toi et nous? Cela veut dire, nous n'avons aucun problème avec toi. Nous avons un problème avec cet homme. Mais cela ne te concerne pas. Jésus a dit, il est le fils d'Abraham. C'est pour cela que j'entre dans cette affaire. Il entrera dans tes affaires. Il entrera dans ton célibat. Il entrera dans ta pauvreté. Il entrera dans ta maladie. Puisque tu es le fils d'Abraham. Quand Abraham a compté les étoiles, il t'avait compté. Aussi, qui était parmi les étoiles. C'est pour cela que Jésus ce soir, il entrera dans tes affaires. Au nom de Jésus. Bien aimé, Jésus a commencé à chasser les démons. Il a dit, vous devez les libérer. Vous devez les libérer. Vous devez partir. Ils ont commencé à trembler. La Bible a dit, les démons ont commencé à trembler. Ta stérilité commence déjà à trembler. Pendant que je parle, je vois ta stérilité qui tremble. Je vois ton célibat qui tremble. Je vois les sorciers de ta famille qui tremblent. Tu dis, quel est cet homme qui vient troubler nos affaires? Où vient-il? Il ne va ou pas? Ton problème, ton Dieu est mon problème. N'accepte-t-il en mon encore? Alléluia! Ma boko na mololo. Bien
bien-aimé, Jésus les a chassés. Ils étaient partis, bien-aimé. Ils étaient partis. Quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés entrer dans les pourceaux. Bien-aimé, tous les pourceaux sont allés se jeter dans le fleuve. Oh, je vais dire à quelqu'un, toi qui ne manges pas les porcs, tu fais erreur. Puisque les porcs, il n'y a rien à jeter. Tout est bon. Et c'est consommable. Tout est bon. Chez les porcs. Puisque les porcs dont les démons étaient entrés, ces porcs-là, ils étaient morts. Ils étaient morts, c'était fini. Ils étaient morts. Mais le porc que toi tu manges aujourd'hui, il n'est pas concerné à cette affaire-là. Il n'est pas concerné à cette affaire-là. Mange le porc. Mange le saucisson. Mange le boudin. Mange tout. C'est très bon. Alléluia. Mes amis, vous savez, beaucoup d'affaires ne fonctionnent plus aujourd'hui. Vous ne savez pas pourquoi. Quand les démons entrent dans tes affaires, l'affaire fait faillite. Ma soeur, tu ne poses pas de questions. Pourquoi tes affaires ne fonctionnent plus? Pourquoi tu es tombé dans tes affaires? Puisque les démons sont entrés là-bas. Et quand les démons entrent, tu peux forcer, mais ça ne marchera pas. Tu dois faire faillite. Oh, si les démons étaient entrés dans tes affaires, dans tes commerces, aujourd'hui nous allons les dénoncer, nous allons les chasser, au nom de Jésus. Acclame Jésus très très fort, bien-aimé. Mes amis, écoutez-moi, Yoka. Après cette histoire, si solo, qu'est-ce qui s'est passé? On voit maintenant, puisque vous savez, bien-aimé, dans la vie, on doit toujours avoir un avant, et le présent, et le futur. Cet homme, son passé, c'était quoi? Il était possédé par les démons. Cela veut dire son âme était possédée. Emprisonné. Son âme était attachée au cimetière. Il ne faisait que des cauchemars, des maris de nuit. Mais bien aimé, après cela, cet homme, sa vie a changé. Quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé, bien aimé. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire aux gens que moi je prie. Si tu pries, les gens feront eux-mêmes que tu pries. Puisque la Bible dit, quand une personne rencontre Jésus, sa vie change. Sa vie change. S'il était possédé, la possession finit. Jésus le délivre. Mais toi, tu as rencontré Jésus, jusqu'aujourd'hui des maris de nuit, jusqu'aujourd'hui des femmes de nuit, jusqu'aujourd'hui les démons sont encore dans tes affaires, jusqu'aujourd'hui bien aimé, il y a des choses bizarres. Mais ce soir, qui va rencontrer le bon Jésus, qui va rencontrer le bon Jésus, beaucoup ont rencontré des pasteurs, d'autres ont rencontré des bishops, d'autres ont rencontré des multipapes, mais aujourd'hui je te dis, tu rencontreras Jésus, tu rencontreras Jésus, et ta situation changera. Ta situation changera. Oh, si tu veux vraiment, si tu veux vraiment rencontrer Jésus, acclame pour ce Jésus-là, puisqu'il est le roi des rois. Mes amis, j'ai dit comme Paul, puisque le temps, bien aimé, des miracles n'est pas passé, l'acte des apôtres continue jusqu'aujourd'hui. Moi, je parle comme Paul. Ma vraie prédication ne se limite pas par des vaines discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Tu seras témoin de Jésus. Je dis ceci, bien aimé. Nous qui sommes là, nous sommes des vrais témoins de Jéhovah. Puisque Jéhovah a dit, nous le témoignerons seulement quand l'Esprit viendra.
Mais il y a des ceux-là qui s'appellent aussi témoins. Et ça, mais qui ne croient pas à l'esprit. Mais toi, la puissance de Dieu t'est saisie. Peut-être que tu te poses des questions. Comment cela se fera-t-il? Comment est-ce que je pourrais être guéri? Comment est-ce que moi qui n'ai pas de trompe, je vais enfanter? Je te dis ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. Dans peu de temps, dans quelques minutes, l'ombre du Tout-Puissant te saisira. L'ombre du Tout-Puissant te saisira, et ce que tu n'étais pas capable de faire, tu commenceras à le faire parce que l'ombre du Tout-Puissant t'a saisi. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit ceci, que la vie de cet homme avait complètement changé. La vie de cet homme avait complètement changé. Cet homme bien-aimé était délivré totalement. Il n'habitait plus le cimetière. Bien-aimé, quand on dit que cet homme habitait le cimetière, la Bible ne nous parle pas de sa situation. Mais peut-être il était marié. Peut-être il avait un père, une mère. Peut-être il avait des cousins. Il avait une famille. Mais bien aimé, cet homme a quitté sa famille. Il a quitté la société pour aller vivre dans les cimetières. Mes amis, quand les démons entrent dans ta vie, ils vont te déstabiliser. Tout cela nous voyons des messieurs qui quittent leurs femmes, qui quittent leurs enfants pour faire n'importe quoi. Puisque les démons sont entrés dans leur vie, les démons sont entrés dans leur vie. Quand les démons entrent dans ta vie, bien-aimé, quand ton âme est en prison, quand ton âme est liée, bien-aimé, tu vas faire les choses que tu ne pouvais pas faire. Nous voyons des papas témoigner. Je ne sais pas pourquoi j'avais fui ma femme. Mais nous comprenons. Puisque leur âme était enfermée. Quelqu'un est parti peut-être chez les féticheurs. Il a fermé l'âme de ce monsieur. Et ce monsieur fuit ses enfants. Il fuit sa femme. Pour aller faire n'importe quoi. Mais bien aimé, la Bible dit. Quand cet homme a rencontré Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. La Bible dit que les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu. Je vais te dire toi également. Les gens vont te voir. Ils vont te voir. Ils vont te voir. Ils l'ont vu dans quel état? Ils ont vu les changements. Quand ils verront les changements. Maman Tikana Ebisayo. Okotambola na zemi ya kisakata. Okotambola kabo e mama. Okotambola kabo. Bafinga yo mingi. Oh, batangela yo mikolo. Pote yo kufa. Yo neko kende na enterrement na bango. Bako kufa liboso na yo. Makamango e bandi. Baba sekaka yo pauvre. Loba papa. Yo muto bandotinde la bango bakode na bilamba. Yango na lisolo yo. Bako mona changement. Bako mona changement. Bako mona changement. Yango wana. Bamususu baroki mayo. Bako kima yo, tango zona prado na yo, soba moni ke ye wana bako trente la mousi. Oko me mabango, na kanisa koko bete mololo na maboko makasi yo. O eza maloba ya mosakoli, na linyo matisa lisu maboko na mololo, eke ne mata. Tango moye ko bete bango makasi, yo ofungolika prado akoti. Yokuna yayoza amer ofungoli yango akoti peroda moyi meyazo lenga na malili opredo na yona amer klimatize azo lenga bako lenga mutu akangaka yasala erreur ba probleme soyaka po matisa biso amen asali erreur ako regrete yango Ako regrette yango. Na esamno li solo moko bien aimé. Il y avait une femme dans la Bible. Qu'on avait lié pendant 18 ans. Cette femme était courbée. Avec des problèmes. Avec des problèmes. Puisque quand on a beaucoup de problèmes, on est courbé bien aimé. On regarde que la terre.
La Bible dit Abraham était rassasié de la vie. Tu vas être rassasié de la vie. Cette femme est 18 ans liée. Le jour que Jésus est entré dans le temple, comme Jésus est entré dans ce terrain aujourd'hui, bien aimé, un changement est arrivé. Jésus a délivré cette femme. Écoutez bien aimé les ennemis de cette femme. Il n'est pas permis que les jours du sabbat que tu puisses faire un miracle. Il n'est pas permis. Bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Zongi sa enenge azalaki. A zonga ga ya kogunza mba. Yesu abia kozonga lisusu te. Oyo fingoni fingoni. Akoza na bongo. Apambolama. Yes. Zeme kokendete. Yes. Okobota. Yes. Okobota. Oko voyage. Oko neto la ma. Akoma na Yesu. Akoma na yango. Nene mokulati mutuona. Yesu. Bien aimé, Deco. La Bible dit ceci, ce qui est a déjà été, et Dieu ramène au présent, ce qui est passé, Dieu ramène au présent, ce qui est passé, n'est-ce pas soit dans la courbe, yo pose la qui courbe, comme madame qu'on a l'élo, yo m'entends dans le lukabatu, yo m'entends dans le lukabatu, au qui m'a victoire, comme on a l'objet qu'on a victoire. Okimaka zandu, komanda lobi kozonga zandu. Puisque Yesu azokota likambo na yo. Azokota likambo na yo. Azokota likambo na yo. Betela e maboko na milolo. Ngala kanisa koko beta e matati likolo. Maboko ngwe zoyo kalatia bakisa dose. Combien bien-aimés, les sorciers de nos vies, ils ne peuvent pas admettre le miracle que Jésus fait dans nos vies. Quand tu voyages, ta prière est que toi tu rentres ici, pour te trincer. C'est comme on a fait avec cette femme qui était tombée. Ah, n'est-ce qu'il y a raison à la écarte. Té, yo kozonga té. Amen. Porta malobi. Mon serviteur prospérera. Il se lèvera. Et il montera. Il montera. Nazoya bisa mutu moko. Le ba papa. C'est la photo bakangaka na mpungu. Efungwami na kombo na Yesu. Efungwami na kombo na Yesu. Mabota bakangaka. Jésus a zofungola yango lelo. Santé na yo belaka. Yo moko kutoka mwame. Sida ngonga na zwela ngondenge nini. Na sala pitete eko bote. Te. Sida na babuwa kaki angona am. Lelo am na yo kozonga normal. Amen. Bien aimé, ces gens ont vu cet homme. Dans le verset 17. La Bible dit. Ils l'ont vu assis. Ils l'ont vu assis. Bien aimé. Neko. Quand on parle d'une personne, donc, on dit que cette personne est assise. Moto qu'est-ce que cela veut dire? Une personne assise, moto c'est une personne posée. C'est une personne stable. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Jésus va te faire asseoir. Il va te faire asseoir, bien-aimé. Il va te faire asseoir. Autrefois, tu n'étais pas assis. Frère, tout le monde a reçu ton dernier. Na longwa ke patata mwa site. Na komi siko e pa noko kuna na rifla. Okoma roi Salomon. Et pourtant l'église doit na besoin na yo. Okoma Salomon na ndaka. Okomi na rifla. Kuna po koti na église moko. Ah. Quelque temps après. Oh mi kolon na komi na yolo. Oh. E pa le kinanga. Kaka Salomon. Stabilité za te na. Oyoki. Ozana ndako stable te. Osana nda kwa stable te. Bien aimé, pendant que je parle, je vois des gens qui vont acheter des maisons. Qui vont être stables. Que Jésus va faire asseoir. Jésus va les faire asseoir. Tu auras une adresse. Tu auras une adresse. Tu auras une adresse. Jésus va te faire asseoir. Liboso Zalaki. Logo la taxi bis. Mariano Bongolo Victor Bongolo Okiti Okiti Libani nyoso kaka yo Boni Gregor Abia Ay Wama kama kala Na koma na Simon Te
si quoi hier ça confondit ça yo on conçoit libala on confonda bako benga na yo nous susuté bako benga na yo nous susuté confondit ça yo hier bas c'est qui on m'a bien aimé papa loba bas benga ni yo bi benga na benga tout ça n'a pas servi l'homme hier ça linga confondit ça yo loko ango yango yé yo mutobanda ko pesa bango adresse sozo ka biloko ba ko ya ko fande pai na yo oya bengana ka yo yenda ko ya ko fande pai na yo oyo yo sozo pesa stabilité biloko oyo ils ont vu ba mona ils ont vu ba mona ki bien aimé écoutez Dieu dira à Josué je dis ceci Josué est mort Josué a coupé donc ce message là te concerne bien aimé qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui lelo est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui à toi lelo je vais entendre bien aimé aujourd'hui lelo Dieu dira ceci aujourd'hui lelo aujourd'hui ce n'est pas demain lelo ce n'est pas après demain aujourd'hui c'est aujourd'hui lelo Dieu dit aujourd'hui je commencerai à t'élever tout le monde sache que je suis avec toi Jésus est avec toi vous savez pourquoi Dieu nous élève vous savez pourquoi Jésus nous élève pour qu'il sache que je suis pour toi avec toi bien aimé ils sauront que tu as un Dieu que Jésus est avec toi tu n'es pas n'importe qui si tu étais n'importe qui tu allais mourir depuis longtemps il fallait pas bon maou bandakala. Mais hier soit-il ma colonne à Gadara. Pas si lié. Hier soit-il ma colonne à Gadara. Soit biloko, yo baso pesa yo. Hier soit n'y a-t-il à l'élo. Il fallait pas bon maou kala. Bah ça n'y a rien. Bango batagi na fin de l'année, mais hier soit l'élo. 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 Lelo yeso salio wa Jeremy Neko quand ils ont vu tango ba moni ils ont vu ba moni ye oyete ah on dirait il passe na ye non mais lui il n'est pas comme ça c'est yesala ka boy c'est lui yesala ka konda ils l'ont vu comment ba moni kené assis afandi assis afandi eh lui vraiment il est assis ye pena fandi il est vraiment assis ye pena fandi ndako ngo nda ya ye si c'est bon on est comme une adresse soit quatre comme qui les qui nous azaka na potom da tindi asomele le pan avant na le pan on les qui na ye ya les qui na yo te yo même to refan ta les qui nous sera outil poto accompagne pas na yo quatre comme qui accompagne pas na yo quatre comme qui alors bi quatre comme qui to fanye li ba ndeko ils vont se poser des questions ba comme tout na mituna quand ils ont vu, toujours en voyant, qu'est-ce qu'ils ont vu après? Qu'est-ce qu'ils ont vu après? Ils l'ont vu assis, vêtu, vêtu, vêtu. Quand la Bible écrit vêtu, cela veut dire avant il n'était pas vêtu. Avant il n'était pas vêtu. Na ligina même sa mutumoko. On l'attend à nous taire. On comment na yo la dit? On comment na yo la dit? Yangoyo. Oko lata na tina. Bazo pesa yo biloko yo iswa yango. Soko lati batu alobi fiere le kiyem sa bango iswa. Ah. Olobi tikanga na lata e. Quand j'étais. Na lata kana tina. Quand j'étais. Maintenant je suis. Bon, je n'ai sabino lika moko. Loba papa. Po toko osa lango te. Hein. Mais so toko osa lango. Hein. Ba frère mingi bo omo nao. Ba mso alati pantalon sans caleçon. Oyo ki son. Exacte azane nango te. Ah. Alati ka pantalon nengwa. Ah. Bon, on a reçu. Bon, on a effectué. Bah, tout le monde a bah, on a griffé. Bon, il y a une place pour Outa. Bah, là, t'as gâté. Bah, comme il y a la tanatina. Yo, pas encore la tanatina. Il y a encore la tanatina. Il y a la tanatina. Il y a encore la tanatina. Il en vit fêtu. Il en vit fêtu. Il en vit fêtu. Il en vit là. Bilokongo yango zo zo ngote. Ozo ikanga na tongo. Na nuku toke feti te na 18h batindele yo mutu. Ah. Oya lo bisongisa. Okonde fali susute.
puisque nzamba lobi bana nanga bakode fisa me bakozala binefa de fate amen betela nzambe maboko betela nzambe maboko beta maboko na mololo bakisa bakisa dos maboko na mololo makamba minena boyende ko yamba ngote na zoyo kayote bien aimé il en vit. D'abord assis, Afandi. Après vêtu, Simalati. Après quoi? Restimani. Dans son bon sens. Dans son bon sens. Bien aimé, quand on parle de quelqu'un qui a un bon sens, donc c'est une personne qui résonne. Qui résonne. Peut-être cet homme était assis avec une calculatrice en train de calculer les affaires. Toi, tu vas calculer les affaires. Tu vas calculer les conteneurs. Tu vas faire les projets. Celui qui est assis dans son bon sens, c'est que celui-là qui fait des projets. Toi, tu auras des projets. Langage, on a un kakabo égosi là. On a motoyo. Kakabo égosi là. Oh, comme on a bon sens. Kakangaï nangaïte. Tout le monde a bamikolo, babenga on va gagner zéro. Oyoki. Bazan a bon sens te. Basalomon. Puisque. Pouete. Âme na bango zalaki malade. Peut-être en prison. Il faut wazonga na bon sens na bango. Amen. Faut wazonga na bon sens na bango. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus bien aimé. Oh, il est merveilleux. Azaki toko. Oh, il est merveilleux. Azaki toko. Oh, il est merveilleux bien aimé. Azaki toko. Qu'est-ce s'est-il passé après bien aimé? Il est salamaki na sima. Les démons. Ma démona. Avaient supplié Jésus. Il avait supplié Jésus bien-aimé. Mais Jésus a dit cet homme doit être. Jésus est le restaurateur. Il avait le mystère et la vision de la restauration. Il était venu plus ce que le diable avait détruit. Jésus va restaurer quelqu'un ce soir. Jésus va restaurer ta vie. Jésus va restaurer ton mariage. Jésus va restaurer ta santé. Jésus va restaurer tout bien-aimé. Les gens sont venus, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés, bien. Mais ce qui est important est que cet homme, après la délivrance, il était resté au pied de Jésus. Toi également, bien-aimé, après la délivrance que tu auras ce soir, reste au pied de Jésus. Reste au pied de Jésus. Reste au pied de Jésus. Les gens qui l'avaient rendu tel qu'il était, quand ils ont appris ce que Jésus a fait, ils sont allés supplier Jésus. Ils ont dit à Jésus, quitte notre ville. Quitte notre ville. Quitte notre ville. Puisque toi, si tu restes, nous, on ne pourra rien faire. Les sorciers bien-aimés, ils vont commencer à te chasser. Si tu habitais chez eux, ils vont te chasser. Comment on a raté depuis au Bandar au Sambela? Bakoma Kolenga. Bakoma Kolenga. Baebike Makam Nabango Baby. Voilà mes bien-aimés. Voilà l'histoire de cet homme. Voilà l'histoire de cet homme. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Je vais appeler les musiciens. Ils vont venir nous accompagner, bien-aimés. Ouais, frère Francis peut passer. C'est pas grave. Bien-aimés. Andeko. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ça, c'est le temps de la consacration. Tu as trop souffert dans ta vie, ma soeur. Tu as trop souffert, ma soeur, dans ta vie. Les gens que tu traînes, ce sont eux qui se moquent de toi. Ce sont eux qui te critiquent. Mais bien-aimé, Andeko, aujourd'hui, Lelo, tu vas te concentrer. Cet homme, quand il a vu Jésus, toute son attention était tournée vers Jésus. Que ton attention, bien-aimé, soit tournée vers Jésus maintenant. Finis le temps de la distraction. Finis le temps de la distraction. Je vais appeler notre frère. Notre frère Sansi, qui va nous entonner un cantique. Qui va nous plonger dans la concentration. Il va nous plonger dans la concentration. Pendant qu'il se prépare, bien aimé, je vais dire ceci. Nous avons lu, la Bible dit que quand cet homme
qui était malade dans son temps, dans son âme, qui avait des problèmes, qui ne connaissait pas Jésus. Quand il a vu Jésus, il a couru, il est allé vers Jésus. Oh, je t'ai dit, bien aimé, que Jésus est ici. Maintenant que tu es en train d'entendre ma voix, Jésus te parle. Cours vers Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Viens maintenant, bien aimé. Viens maintenant, bien aimé. Jésus va entrer dans ta vie. Et les démons qui t'ont conduit à la maladie, qui t'ont conduit au problème, aux échecs et à l'humiliation, ils vont fuir eux-mêmes. Commence à venir, bien aimé. Même si tu es dans une église, mais toi-même, ta vie n'est pas en ordre avec Jésus. Avance, bien aimé. Je vais prier pour toi, pour te consacrer à Jésus, afin que Jésus entre dans ta vie. Puisque ton corps est le temple, ton corps doit être le temple de Jésus. La Bible nous montre que quand Jésus entre dans le temple, il n'entre pas les mains vides, il entre avec le fouet. Il va fouetter le célibat, il va fouetter la pauvreté, il va fouetter la maladie. Avance, bien-aimé, ne tarde pas, ne traîne pas. La Bible dit que cet homme a couru. Cours vite, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, être dans une église, ce n'est pas être en Jésus. Être en Jésus est différent. Cours vite, bien-aimé, viens. Viens, bien-aimé. Bien-aimé. Lelo ebo kimongongo na Nzambe. Yes. Kondimi ko pesa ebo moyi na bino. O forcer mingi bien aimé zo marché te. Moto pa forcer ki mingi. Ko lela na ba cimetière. Komi so ki za ba pota lo ko la ba prophète de Baal. Mais simba ki te bien aimé. Lelo kondimi ko pesa ebo moyi na bino. Na ko senga na bino botsa maboko mi bale likolo. Libre moto ya pusana kini bosona Yesu. Afungola ki monoko na ebien kokona kolobela Yesu. Yes. Nalingi. Bosana na libonde limoko personnel bimoko. Kosenga Yesu bolimbisi. Na lolenge botambu seki bomo ina bino. Tango mususu bino mo bokota ki banaka nganga. Tango mususu na masumu songolo bosala ki. Balakela qui bino mabe. Mais le lobo y est pas à Yesu bien aimé. Mokola moko azo tombo la mongongo na yena oliboso. Afa kengana bonde la pona bino. Koebi sa Yesu ayo kena yo mawa. Koebi sa Yesu ali misa yo. Otangi masumu na yo bien aimé. Po yebi si Yesu yo kela nga mawateli misangai. Tombo la mongongo na yo bien aimé. Lobela Yesu likambo. Yes. Bondela. Bondela, bondela. Senga bolimi sa masumu na yo. Tanga lisumu na ona komo na yango. Tamba yo kela yo mawa. Alimi sa yo. Oza ko sa yo kakimi su na yo. Ozo bonde la totomo na mongongo na yo epai na ye. Ayo kela biso mawa na poko na lelo. Hey Yesu. Mabenjo misericordieux. Na poko na lelo papa to puse su epai na yo. Ba demo ma koti po tambu sa kibomo imabe. Yes. Oza na église mais nous bon moi inaye za mabe. Yes. Le loyo Yesu alinga restaurer yo. Le restaurateur. O alongola ka maladi, o alongola ka sida, o alongola ka myome, o alongola ka fibrone. Alinga restaurer yo. Tanga makasi. Tombola mongongo na yo. Bondela bondela. Tanga kelo bi fils de David. Et pitié de moi. Yes. Boko la na simalangai. Yoka, oko répété, libon de linga na koyeba na kosala. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Bien aimé, Bible yobi Bartima ganga ki na mongongo makasi. Yes. Na FCB no ke oye zali kambu ya mutu na Nzambe. Koyoka mutu aza pembe na osoni, te zali kambu na ona Nzambe. Tango zonyo kwa ma, yomoko ndo zonyo kwa ma. Yesu ayoka mongongo na o Bible mongongo ya Bartime. E yoka na kitie pa ina Yesu. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kolo Yesu.
Nayo kili lobana yo. Nayo kili lobana yo. Yango e tuti motema nangai. Yango e tuti motema nangai. Naye pai na yo. Naye pai na yo. Kopesa yobo moi nangai. Kopesa yobo moi nangai. Ete yo kambangai. Ete yo kambangai. Ete yo tambisangai. Ete yo tambisangai. Lokola mokonzi nangai. Lokola mokonzi nangai. Pe lokola mobiki sinangai. Pe lokola mobiki sinangai. Nalingina koma moto na sika. Nalingina koma moto na sika. Nalingina koma ekelamu ya sika. Nalingina koma ekelamu ya sika. Ete batu bamona changement kati nangai. Ete batu bamona changement kati. Kaka yondo ebiko pesa ngai changement oyo. Kaka yondo ebiko pesa ngai changement oyo. Nango kota na bomo inangai. Kota na bomo inangai. Bademo babima. Bademo babima. Maladi esila. Maladi esila. Pasi esila. Pasi esila. Sida elongwa. Sida elongwa. Soi nabi sida elongwa yo lobi likambu na yo oyo zali. Sida elongwa. Pasi elongwa. Blocage elongwa. Maladi ekende. Profete sila. Yosu esila. Na pambolama. Na pambolama. Kobanda na molimo. Kobanda na molimo. Peko koma kino na nzoto. Peko koma kino na nzoto. Na komo na Yesu. Na komo na Yesu. Banda kobonde la yosa elibo sa. Bondela. 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 Yesu akota la bomo ina yo. Bondela. 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 Papa toye pa ina yo. Pasteur Bosco, Pasteur Bosco, Bondela, Bondela, Tombola Mombo na yo. Bondela Yesu akota na Mombo na yo, Bongola na yo, na yo. Loba aya a possédé ko amesina yo et la lisu yo komikate ye azo contrôler toute chose azo la maître na yo azo la seigneur na yo azo la sauveur na yo to telemi biso nyonso bino bazongi na ba place na bino bo telemi rapidement bien aimé rapidement bazo tine le biso loyo fanda ke bazo songa to zoka loyendo to zo continuer. Que mon Dieu se sauve pas de yo. Alléluia. C'est toi qui me fais vivre. Toza à côté le ma, toza en babisonio, son bien-aimé. Et ça t'en va distraction, c'est Yesu à l'œuvre. Yesu à l'œuvre. Toza en babisonio, son bien-aimé. Samba, fanda, regarde une adoration. Jésus, moi, je ne compte plus.
temps. Nous continuons toujours sur la restauration de l'âme. Cet homme avait couru. Il est allé vers Jésus. Quand il a rencontré Jésus, quelque chose s'était passé. C'est pour cela que je demande à tout le monde de se mettre debout. Je demande à tout le monde de se mettre debout. Puisque quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta vie. Bien-aimé, quand cet homme a rencontré Jésus, la Bible dit que Jésus a chassé les démons. Jésus a chassé les démons. Mais aujourd'hui, bien-aimé, Jésus a délégué le pouvoir. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Dans un bel et la mouillée dans un bel la pomme oui. Et ceux qui t'a dit que l'on a yo. Gloire à Jésus. Yo, qu'on t'a dit que l'église pour le retard de l'ensemble. Nazo Bengala. Nyon so et saliba démon. La vie à ma maman. Oyo. Allez, va plus dans la vie dans l'ango. Allez, libérez. Libérez leur vie. Libérez leur vie. Allez-vous-en. 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 Au nom de Jésus. C'est une idée. Pas. Pas. Cancer, diabète, sida, anémie, quel que soit ton nom, toi qui sièges dans l'âme de cette femme, qui sièges dans l'âme de cet homme, tu es donné maintenant. Délibérez sa vie. Délibérez sa vie. Délibérez sa vie. Allez, pas. Au nom de Jésus. Sors. Libère-les. 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 Va-t'en. 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 Que le feu de Dieu t'embrasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pauvreté, allez, sors, 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 libère son nom, 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 au nom de Jésus, qu'elle soit libre. Je dis qu'elle soit libre, je te l'ordonne. Va dans les lieux arides, va dans les lieux arides, va dans les lieux arides. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute puissance démoniaque doit fléchir les genoux maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous les démons, vous qui opprimez la vie des enfants de Dieu, commencez à libérer la vie. Au nom de Jésus, résistez les genoux. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Yes. Seigneur, que ta main commence à opérer. Commence à opérer. Commence à opérer. Commence à opérer. Commence à saisir. Commence à opérer. Commence à libérer. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère ta vie, libère ta vie, lâche ta vie, je te demande, libère-la, libère-les, sors, 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 va-t'en, 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 ensemble. Yoka na nzambe zo tumba. Yoka abatao na libumu. Moto na nzambe zo tumba ye. Ezo tumba ye. Ezo tumba ye. Ezo tumba ye. Ezo tumba. Moto. 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 Moto.
Yes. Banda kunyoso banganga. Yes. Bampungwa banganga. Yes. Milangi nyoso bakanga kabino. Ezo panzana. Ezo panzana. Amen. Amna eza la libre maintenant. Libre maintenant. Somi. 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 Libre. Somi. Libre. Somi. Libre. Somi. Libre. Somi. Libre. Somi. Merci Jésus. Madonna Yesu. Cher Saint-Esprit, continue le travail. Continue le travail. Seigneur, Golo, mon côté ayaki et païnayo, azonga ki lolenge ayaki. Na minute oyon zambé, na sengi shekina na yo, et couvrir bipele la batunion sur la terre mini boson naï. Bandan zambé ko couvrir bango. Bandan zambe ko couvrir bango. Ba sentir touche na yo. Simba bango nzambe. Bimisa bango na pauvreté. Bimisa bango na stérilité. Bimisa bango na maladie. Bimisa bango na blocage. Bimisa bango na humiliation. Bimisa bango na ba échec. Amen. Ba maladie incurable si la nzoto na bango. Minganga ba kamwa. Amen. Zambe sala ya minene. Amen. Sale la bango bikamwa nzambe. Amen. Longola soni na bango nkolo. Amen. Babota kate babota. Amen. Babala kate babala. Amen. Bamaladife babika. Amen. Bapauvre bakoma riche. Amen. Bamalere bakoma heureux. Amen. Basterile babota. Amen. Na misala nzambe bazala mituka simikila te. Amen. Bamata bagrande. Amen. Baba na kokende Guangzhou. Amen. Back in the Dubai. Amen. Back in the Chine. Amen. Back in the end. Amen. Back in the Thailand. Amen. Back in the Pepoto. Amen. Force ya église ezali bango nzambe. Amen. Bakoma ba riche. Yes. Po église na ezala riche. Amen. Ba pambola manzambe. Amen. Lobi to bana komona ba témoignage. Amen. Soko za malade Simba e pa ozobe. Zambé. Ceux qui prennent dans leurs finances, c'est le bon approche dans la sac. Ceux qui ont un côté, ma maman, au tiers le bon logo, au tiers le bon soutien. Pour bien vous dire un soutien. Ceux qui ont un bel Simba, place aux obéis. Ceux qui ont un problème dans leurs amis solo, c'est le bon approche dans la soutien. Ceux qui ont un problème, mon souci. On a tant qu'il gombote. Tiaka maboko likolo nzamba ebiango. Seigneur notre Dieu. Là où nzambe la biso. Là où mon frère ou ma soeur a placé sa main. Et si quand ne konanga moi je peux mbala simbi. Laisse que sa main devienne ta main. Zika ete loboko na ekoma ya yo. Donc cela veut dire Seigneur c'est toi qui l'a imposé la main. Et dit ko yo no tielie maboko. Communique la guérison. Koti sa lobiko. Celui qui a placé sa main dans sa poche, il a besoin d'argent, Seigneur. Donne-lui l'argent. Celui qui a un autre problème, tu t'appelles solution. Seigneur, je vois des hommes impuissants en ce lieu. Restaure leur virilité. Restaure leur virilité. Fais cela, Seigneur, maintenant. Fais cela maintenant, Seigneur. Fais cela maintenant, Seigneur.
Que dès demain, Seigneur, nous puissions commencer à vivre des témoignages. Merci pour toutes choses, Père. Je te bénis puisque tu le fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Papa Nico, 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 Papa Nico,